Alors bonjour, c'est moi de retour après une longue série d'absences, une longue période d'absence et de silence. Écoutez, premièrement, que de prophéties qui se déroulent actuellement devant nous, en pleine face, en plein visage, à la vue de tous, les choses se déroulent très rapidement. Évidemment, tout le monde parle actuellement de ce qui s'est passé au Vatican, avec la démission inattendue du pape, en toute surprise. Et aussi, on a quelque chose qui s'est passé au niveau d'un météore qui a fait des ravages sans précédent en Russie. Les scientifiques un peu partout sur la planète ont déclaré qu'il n'y avait absolument aucune relation entre cet événement-là et le passage très rapproché d'un météore. D'un astéroïde, pardon, pas d'un météore, mais d'un astéroïde de dénomination DA14-2012, je pense. Donc, j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là, savoir est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de relation. Les orbites sont perpendiculaires. Effectivement, les orbites sont assez perpendiculaires, mais je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire dresser les cheveux de sur la tête parce que lorsqu'on regarde la simulation de l'astéroïde DA14-2012 par la NASA, on le voit arriver vraiment du sud, franc sud, on voit l'Antarctique et on voit le météore se rapproche. On a une vue comme si on était situé sur le météore, on se voit se rapprocher de la Terre et on frôle la Terre et on passe à côté de la Terre et finalement on se retrouve au-dessus de l'hémisphère sud de la Terre. Mais quand on va sur le site de la NASA, on entre dans la. Il y a un site pour les orbites des éléments, les objets proches ou à proximité de la Terre, où ce que vous pouvez voir des astéroïdes, des météores, des comètes. Ce serait intéressant à un moment donné de jaser à savoir c'est quoi la différence entre un astéroïde et une comète. Est-ce que des gens peuvent me répondre à savoir s'ils savent pourquoi? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'un objet va devenir une comète versus va rester tout simplement un astéroïde? Évidemment, les astéroïdes ne brillent pas, sont assez sombres, demeurent sombres, ils ne forment pas de queue. Je vous donne des indices ici. Vous avez toutes les réponses dans la série sur Planète X. Toute la science est donnée à cet effet-là. Mais j'aimerais savoir si quelqu'un a la réponse, par plaisir. Écoutez, c'est le fun de vous voir des fois écrire des questions, écrire des commentaires. Alors, c'est toujours plaisant. De toute façon, j'essaierai d'y revenir. Mais actuellement, j'ai tellement d'informations à vous donner qui vont, je pense, en mettre plusieurs en état de choc. En tout cas, moi, ça m'a mis en état de choc. Ça s'entrechoque dans ma tête. J'ai de la misère à savoir par où je vais commencer. Et puis, j'ai essayé de me faire un plan, mais là, je perds beaucoup de temps à essayer de faire un plan, de savoir dans quel ordre je vais vous parler des choses. Je cherche du matériel qui est comme disparu. C'est vraiment pas une situation facile, mais je vais essayer de tenter de mon mieux de vous expliquer ces choses-là. Premièrement, on a la prophétie du pape, on a cette fameuse histoire-là de météore qui a fait des ravages en Russie. Et on a aussi notre fameux Obama qui, de façon absolument extraordinaire, continue de remplir le rôle de ce que l'Antéchrist devrait accomplir dans les moindres détails. Et maintenant, toutes les choses que j'ai écrites ou que j'ai faites dans la nouvelle d'urgence, suite à la confirmation par Obama de l'accord d'Oslo, qui est un accord de 7 années, j'ai montré à partir des écrits d'origine que Obama remplissait complètement les prophéties en ce qui a trait à l'Antéchrist. La Bible nous dit qu'avant l'enlèvement, il doit avoir l'apostasie proclamée, il doit avoir la paix et sécurité proclamée. On doit avoir certains signes, mais je parle vraiment des prophéties vraiment les plus proches de l'enlèvement. Et on doit avoir la manifestation de l'impie de cet homme-là qui va devenir l'Antéchrist. L'Antichrist, pardon. J'aime vraiment mieux dire Antichrist parce que c'est vraiment. Il est contre Christ. Eh bien, ce personnage-là, eh bien, c'est Obama qui a fait ce geste-là qui correspond à la prophétie de Daniel 9:27. On a vu ça dans ma nouvelle d'urgence. Bon, donc, vous avez la bande-annonce de la nouvelle d'urgence qu'on voit ici.
Cette bande-annonce-là a été vue beaucoup, mais l'explication est de cette nouvelle d'urgence-là, où je parle qu'ils vont bientôt saisir les armes à feu. Ça, c'était fait à la date du mois de septembre 2012. Et j'annonce aussi bon, que ce qui va se produire aux Nations Unies avec Israël est vraiment un move prophétique, un mouvement prophétique contre Israël. J'ai produit une vidéo qui s'appelle. Attendez, je vais vous la montrer. Les Nations Unies, paix et sécurité. Écoutez, j'ai vu cette vidéo-là, très peu de commentaires, mais ce qu'il faut réaliser ici, c'est que bon, tout le monde a entendu parler depuis quelques années, plusieurs personnages politiques connus qui ont proclamé la fameuse paix et sécurité. Mais c'est la première fois, au 29 novembre 2012, qu'on s'est assemblé, donc les Nations Unies se sont assemblées contre Israël pour vraiment, sur la question de la Palestine, ils ont dressé un portrait très sombre de Israël comme étant un État génocidaire, un État expansionniste, alors qu'Israël a perdu énormément de territoire depuis de ce que Israël devait être. Évidemment, ça a fondu, ça c'est tout le contraire. Et au niveau physique, je parle. Puis, ils ont dressé vraiment un portrait très sombre, sans jamais mentionner qu'Israël est attaqué de façon continue par des lancers de roquettes. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a le fameux Iron Dome. Le Iron Dome, d'ailleurs, depuis 6, 7, 8 ans, si on regarde dans les statistiques, ont intercepté des centaines et des centaines de roquettes par année. Et je veux dire, à un moment donné, ben, Israël ne répliquait jamais. Alors ça, c'est pas mentionné du tout dans dans cette assemblée-là des Nations Unies. Cependant, moi, le but de cette vidéo-là, c'est pas de faire ressortir le portrait qu'on dresse d'Israël versus la vraie situation, mais c'est le fait que toutes les personnes qui ont parlé à cette journée-là en cette journée-là du 29 novembre 2012, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies pour la question de la Palestine et d'Israël. Là, je parle de toutes les personnes qui sont aux Nations Unies et de toutes les personnes qui représentaient chacun des pays qui ont pris la parole. Chaque personnage qui a parlé à cette journée-là a prophétiquement mentionné quelque part dans leur speech, dans leur parole, dans leur phrase qu'ils ont prononcé le mot paix et sécurité ou paix ou et sécurité séparément, mais la plupart ont dit paix et sécurité, donc aucune exception. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les extraits de chacun de ces personnages-là qui ont parlé. Des fois, je vais déborder un peu parce qu'il y a du texte tellement incroyable que je l'ai laissé, mais grosso modo, c'est une vidéo qui dure 28 minutes de mémoire et vous avez des extraits de 30 secondes de chacun de ces personnages-là où vous allez les entendre dire paix et sécurité. Alors, voilà, ça a été énormément de travail, puis c'est parce que c'est vraiment important qu'on s'arrête. Chrétien comme non-chrétien, comme non-croyant, faut que vous vous dites que la Bible nous prophétise à l'effet que quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine subite va s'abattre sur eux. Mais si la Bible nous dit que lorsqu'ils diront paix et sécurité, une ruine subite va s'abattre sur eux, et que la Bible nous dit qu'il faut, au préalable, avant l'enlèvement, avant la ruine subite, il faut aussi d'autres. Prophétie, que d'autres prophéties soient remplies, comme je vais vous en nommer une, c'est celle que l'impie, si vous voulez, le personnage qui va devenir l'antéchrist, pardon, ce personnage-là doit faire une entrée en scène, il doit se manifester. Et il se manifeste pour qui? Bien, il va se manifester pour les croyants, parce que la plupart du monde ne croit pas dans la parole de Dieu, ne croit pas que Satan est un personnage qui existe vraiment. Et qu'il y a un pouvoir satanique sur cette terre. Il y a un plan et le plan est en train de se dérouler à très grande vitesse en ce moment devant nos yeux. Donc, si vous ne croyez pas, alors un personnage comme Barack Obama va poser un geste et personne ne va le reconnaître, sauf le chrétien très à l'affût, qui surveille chaque geste des personnages et qui peut découvrir ça. Donc, la Bible ne nous a pas donné ce signe-là, cette indication-là dans Daniel 9, 27 pour absolument rien. Mais il fallait que nous, les chrétiens, nous puissions le voir et le déchiffrer. Et donc, cette vidéo-là ici de la paix et sécurité,
Elle a été reprise dans un article qu'on a mis sur plein feu, extrêmement importante, qui s'intitule, vous l'avez ici le titre, attendez, je vais monter en haut. Le 21 décembre, la fin du monde. En fait, évidemment, on explique que c'est pas tout à fait la fin du monde, mais que ça a été fait avant, justement, ça a été fait le 18 décembre. Ce qu'on explique, c'est que on est, pour les occultes, les sociétés occultes, cette date-là du 21 décembre, c'est la date la plus importante. C'est une date qui semble être un pilier pour l'accomplissement de leur plan final, de l'établissement du nouvel ordre mondial. C'est sûr que on n'avait aucune idée à cette date-là de vraiment qu'est-ce qui pouvait se passer. Il pouvait se passer un tas de trucs, mais sûrement pas la fin du monde. Je pense pas qu'il y ait de chrétien qui ait vraiment annoncé la fin du monde. On annonce la fin des temps, la fin des temps de l'Église, la fin des temps de la grâce. Et cette fin des temps de la grâce-là correspond à la dernière semaine de Daniel, les 7 années de tribulation. Et ces années de tribulation-là, je peux vous dire que c'est pas des années roses, c'est une année où ce sont des années très noires où la partie de l'humanité vont périr. Avant de passer à travers cet article-là, vraiment, qui contient pas mal tout, les prérequis à l'enlèvement et à l'entrée d'une tribulation, tout y est, avec les références des versets. C'est vraiment un compte-rendu, vraiment, de c'est quoi les prérequis avant de rentrer dans la tribulation. Et on démontre que toutes les prophéties sont accomplies. Et au moment où je vous parle, on est 3 mois après la publication de cet article-là, c'est-à-dire 2 mois environ, on a des confirmations encore plus marquantes, plus mordantes, à l'effet que tout est accompli. Notamment, à ce moment-là, on n'avait pas encore rien au niveau du pape, de la démission de Benoît XVI, puis ça, je vais vous en parler. Avant de faire ça, je veux juste vous montrer ici qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la paix et de la sécurité. On a ça dans 2 Thessaloniciens 5, les versets 1 et suivants. Alors, je vous le lis. Et c'est très important que vous écoutiez, que vous ouvrez votre esprit. Je sais que je l'ai déjà fait, mais c'est très important de le faire. Particulièrement pour les chrétiens, parce que il faut absolument redoubler d'efforts pour témoigner, parce qu'il ne reste plus grand temps pour le faire. Et ici, il y a un fameux débat toujours qui est assez marqué, à l'effet que certains chrétiens disent que l'enlèvement va arriver à la fin des tribulations, d'autres prétendent que c'est dans le milieu, en quelque part dans les tribulations, et certains autres, comme moi, prétendent que c'est avant les tribulations. Je reçois assez régulièrement des emails. On me dit, ah, tu vois où c'est écrit, où c'est écrit. On m'envoie des choses. Et ces emails-là, il y a plein plein d'erreurs déjà au départ. On ne tient pas compte du contexte biblique. Écoutez, c'est pas compliqué le contexte biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si moi je vous dis Adolf Hitler est en train de mettre à mort des Juifs au moment où je vous parle, vous allez me dire non. Ça a été fait dans le passé. Non, 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 je viens de lire un journal, un vieux journal, là, je vous le montre, c'est un vieux journal tout brun d'époque qui date de des dizaines d'années, et c'est écrit en première page, Adolf Hitler met à mort des centaines de milliers de Juifs dans les camps de la mort, un titre que je vous donne. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est un vieux journal, si c'est dans le passé. Non, 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 c'est écrit, ça se fait là. Ben c'est ça. Donc, quand on parle, les gens qui arrivent avec des explications à cet effet-là, malheureusement, font énormément d'erreurs. C'est très, très, très clair dans la Bible que l'enlèvement est avant les tribulations. Bon, je me suis fait dire, oui, mais c'est lâche de penser de même. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu arrives? Tu vas être déçu, tu vas t'écraser. Parce que tu t'attendais d'être enlevé, si t'es pas enlevé. Moi, ce que je vois plutôt, concrètement, ça c'est des hypothèses, parce qu'on n'est pas rendu là. On peut dire l'hypothèse, oui, ça se peut que je sois écrasé, puis je m'attendais à l'enlèvement, il n'est pas arrivé, c'est possible. Mais moi, ce que je vois concrètement, actuellement, c'est les frères et les sœurs qui croient qu'on ne sera pas enlevé immédiatement, sont vraiment, la plupart sont dans, sont très préoccupés, sont très noircis. Cette préoccupation-là de se sauver dans le bois avec des plans B, C, D, Y, Z.
Et ces gens-là, actuellement, mettent beaucoup plus d'accent à essayer de voir comment ils vont se sauver dans le bois pour pouvoir survivre. Et puis, écoutez, en quelque part, je ne dis pas de ne pas faire un plan. Je crois qu'il est important d'avoir des réserves de nourriture. Je crois qu'il est important d'avoir un plan. Que ça se peut qu'on passe un. En fait, c'est certain qu'on va passer des temps durs. Je le sens. Je vous dis pas de rien faire, puis le Seigneur va venir tout régler. Il ne faut pas prendre rien pour acquis. Mais je veux dire, si vous voulez vous acheter des camions, les mettre des grilles bon, contre les zombies, si vous voulez aller dans le bois, si vous voulez vous faire un abri souterrain, un abri qui flotte, vous allez vous faire un abri anti-nucléaire. Je veux dire, c'est où que ça va arrêter? Quand le soleil va brûler la surface de la Terre, ça va vous prendre un abri contre les brûlures, parce que le soleil va vraiment brûler. Lorsqu'il va avoir des vents à la surface du globe qui vont aller jusqu'à 5, 6, 7, 800 km/h à certains endroits, vous allez faire quoi? Je veux dire, votre autobus va partir comme un, elle va partir comme un grain de sable. Alors vous allez me dire, vous allez être dans la terre. Oui, mais si c'est l'océan qui prend la place, vous allez faire quoi caché dans le sol? Alors, il n'y a pas aucune personne. Le Seigneur va laisser des gens se cacher, mais il est écrit dans Isaïe 28, Isaïe 24, vous allez devoir ressortir pour me rendre des comptes après un certain nombre de jours. Et aussi, on voit que dans la Bible, on nous dit qu'il y a beaucoup de ces abris-là qui vont s'écraser, vont devenir la tombe des gens qui vont se cacher. Alors, beaucoup vont périr. Il n'y a pas de place. Il n'y a aucun endroit pour ce qui vient, aucun homme va être à l'abri. Et même l'élite se prépare, ils savent. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, ils se cacheront dans les montagnes pour se préserver de la colère de l'agneau. Qui est l'agneau? C'est le Seigneur. Eh oui! Alors, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est, oui, ayez un plan, mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, vous allez faire quoi? Est-ce que vous pensez que le Seigneur vous abandonne, vous n'avez pas l'argent, il va vous dire, ah! Vous êtes des méchants frères et sœurs, des méchantes brebis. Vous n'avez pas accumulé d'argent. Je vous avais averti depuis longtemps. Ben tant pis pour vous. Vous allez mourir. Regardons ce que le Thessalonicien nous dit. Et je vous le dis là, les gens qui me disent beaucoup, non, 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 c'est après. Moi, je crois pas à ça. Ça n'a pas d'allure. Premièrement, amène énormément d'arguments qui sont pas bibliques. Deuxièmement, quand il donne des textes bibliques, c'est bourré d'erreurs. C'est pas pris dans le contexte biblique du tout. Donc, la signification est complètement biaisée. Comme je vous ai donné l'exemple, qu'Adolf Hitler, gaz, est en train de tuer des Juifs actuellement dans les camps de la mort. En 2013, ça se fait là, je vous le dis, là. Alors, comment voulez-vous? Tout ce que je vous dis est vrai, mais étant donné que c'est pas pris dans le bon temps, et pas, donc pas dans le contexte, ça change complètement la signification. Complètement, ça la distorde, complètement. De toute façon, cette question-là, pour moi, et c'est réglé, ça fait longtemps, de l'enlèvement. Et je vais vous lire maintenant Thessaloniciens 5.1. Alors, ce qu'on nous dit, c'est pour ce qui est des temps et des moments, ici on parle de la fin, OK? Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, qui correspond à la ruine subite en passant. Car les hommes diront paix et sécurité, alors c'est là qu'on l'a, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Alors ici, ce que ça nous dit, on regarde l'aspect de la Terre, que ce soit au niveau de l'activité sismique, eh bien, elle se comporte exactement la Terre comme une femme enceinte. C'est incroyable de voir que la Bible nous fait cette comparaison-là avec la femme enceinte, alors que c'est le cas. Et ça s'explique scientifiquement parce que la pression à l'intérieur interne de la Terre, à l'intérieur de l'écorce terrestre, monte par un réchauffement global. Il y a une montée du magma. Et cette pression-là créer des séismes parce que ça fait bouger les plaques tectoniques une par rapport aux autres. Et lorsqu'il y a un relâchement des plaques, il y a un relâchement de la pression, mais cette pression-là est momentanée. Et plus la pression monte, plus les fréquences des séismes augmentent. Ils sont de plus en plus violents et nombreux. Et c'est exactement le cas d'un enfant lorsqu'il fait pression dans le ventre de la mère pour sortir. C'est incroyable.
On l'a aussi sur l'économie, on l'a sur la situation au Moyen-Orient, c'est de plus en plus marquant, c'est de plus en plus mordant et c'est de plus en plus rapproché et fort. Alors, vraiment, tout se comporte actuellement comme une femme qui est enceinte, qui s'approche de l'accouchement. Et l'accouchement, c'est le moment vraiment fatidique, ben pas fatidique, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est la résultante de toute de ces douleurs-là. Et ça va être dur. Lorsque la femme accouche à la fin, les douleurs sont faites quand le col est dilaté. Mais il va avoir, je crois, les 7 années de tribulation. Et l'accouchement correspond à la fin de ces années-là où on arrive au millénium. Bon, maintenant, je continue. Mais vous, frères et sœurs, qui n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. La fameuse phrase, oui, nul ne connaît le jour ni l'heure, mais oui, le Seigneur nous dit, vous êtes hypocrites, vous ne savez pas reconnaître la saison. La saison, puis le jour, on s'entend-tu qu'on devrait être proche de dire, ben, ça peut être quelques mois en avant de nous. Et oui, je peux vous dire que c'est très possible. Moi, personnellement, je pense que, puis j'ai souvent pensé, et beaucoup pensé, que 2013 serait l'année où on verrait vraiment s'accomplir ces choses-là. Je vais y revenir. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. J'ai montré dans ma nouvelle d'urgence, dans la bande-annonce, ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques et qu'on nous fait allusion dans Batman, The Dark Knight Rise, la montée du Chevalier Noir et la montée de la nuit noire. Ils vont travailler, les autres, ils vont travailler, ils sont de la nuit, et c'est ces gens-là, ces élites-là qui contrôlent, qui vous mettent cette symbolisme-là en pleine face dans les Jeux Olympiques. On voit les pyramides, ils se cachent même pas. Alors, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Oui. C'est bizarre parce qu'on nous dit que nous ne sommes pas de la nuit, donc ceux qui sont dans les ténèbres sont de la nuit, et ils se proclament aussi des ténèbres. The Dark Knight Rise. La montée du chevalier noir, c'est ce qu'ils veulent. Mais selon le Seigneur, ils dorment parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils vont être jugés, ils vont mourir, ils vont périr, ces gens-là. Quand je dis périr physiquement, mais aussi spirituellement, dans l'éternité. Et ceux qui s'enivrent, pardon, s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Ayant pour casque l'espérance du salut. Ça fait référence à la parole de Dieu. Moi, sans la parole de Dieu, là, je suis absolument rien, je suis perdu. Et Satan gagne sur moi, il m'aurait mis dans un piège. Mais c'est en m'accrochant à cette parole-là, en ayant, premièrement, lorsque je me suis repenti, puis je me suis repenti, je me repentis à tous les jours. Ce qu'on me reprochait, repens-toi, pour qui que tu te prends, scientifique, etc. D'ailleurs, cette personne-là qui m'a critiqué, je pense savoir qui elle est. Et d'ailleurs, elle l'a fait en ouvrant un compte YouTube juste pour me critiquer suite au 21 décembre 2012. Puis c'est curieux parce que cette personne-là prend un site YouTube caché. Donc, mais qu'est-ce que tu as à me critiquer en te cachant? Montre-toi puis affiche-toi, tu as le droit de parler. Mais pourquoi tu te caches? T'as peur des représailles? T'as peur que je sache qui tu es? Je pense que tu m'as déjà écrit avant. Je pense que je sais qui tu es de toute façon. Fais-toi-en pas. Mais de toute manière, OK, on se revêt de la cuirasse qui est la parole de Dieu, de la foi, de la charité, de l'espérance. C'est la parole de Dieu qui est notre protection. C'est la parole de Dieu qui est notre épée. La parole de Dieu comparée à une épée qui est tranchante. Si on n'a pas ces armes-là, on est foutu. On est complètement perdu. On est mort. Sans le Seigneur, moi, je suis rien. Et d'ailleurs, je suis encore pécheur. À tous les jours, je lui demande de me pardonner. Je lui demande de venir me chercher, de purifier mon corps, de m'enlever toutes ces mauvaises pensées-là que je peux avoir dans une journée. Je suis pas parfait. Je suis un être humain. Alors, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Puis les tribulations, c'est la colère. Il vient en grande colère. Il ne nous a pas destinés à ça. Mais oui, mais on va rester dans les tribulations. C'est quoi? Dieu nous dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais on va rester ici. Ah oui, mais qui va parler de la parole de Dieu? Il y a plein de prophéties. Tout est expliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont se convertir dans les tribulations. La plupart vont mourir, mais il y en a beaucoup qui vont venir au salut dans les tribulations. Voulez-vous passer absolument à travers ça? Moi, non.
Ce verset-là ici est tellement parlant, la Bible nous ordonne de travailler pendant qu'il fait jour, mais la nuit arrive. Puis quand vous travaillez durant la nuit, vous ne pourrez pas travailler durant la nuit. Je veux dire, il y a d'autres choses qui sont prévues dans le mécanisme prophétique. On parle des 144 000 d'Israël, on parle des deux témoins, on parle des esprits qui vont venir témoigner, qui vont parler aux gens sur la terre, qui vont dévoiler que Dieu est Dieu, et les gens vont se convertir en très grande masse. Plus, actuellement, c'est une poignée, je pense que je me répète, mais c'est une fraction de fraction. Je ne sais pas combien de personnes vont faire partie d'enlèvement, mais de la manière que je regarde ça, c'est si vous voulez vivre sous la loi, vous allez être jugé sous la loi. Si vous voulez, puis vous pouvez accepter la grâce, mais vivez sous la grâce. C'est... On n'est pas destiné à la colère. Puis au risque de me faire traiter de lâche, ben écoutez, je suis un homme peut-être qui est lâche, en quelque part, mais je vous dis, ça serait tellement épouvantable. Puis c'est pas vous qui allez vivre des choses épouvantables, vous allez voir des gens souffrir, ça sera pas drôle. Vous allez faire quoi si vous allez vous cacher dans le bois? Parce que de toute façon, avec le Telsat, je pense que c'est Telsat 2, ça correspond à une prophétie où il dit l'Antéchrist dans le système va briser, il la brisera la terre, elle sera brisée. Et les gens pensent qu'il va la briser, il va mettre la guerre, il va mettre de la radiation, il va la détruire, il va la briser. Non, parce que quand on regarde dans les textes d'origine, c'est qu'il va la diviser en petits morceaux. Actuellement, que les satellites, ils peuvent vous dire exactement s'il y a un ver de terre dans un pied carré, un tiers de mètre carré. Là. Il peut savoir le nombre de roches qu'il y a. Vous allez vous cacher dans le bois, dans un chalet. Mais oui, mais ils savent que vous êtes là, ils vont vous voir. Ils ont des détecteurs, ils peuvent voir s'il y a de l'activité. Vous allez sortir pour couper un peu de bois, vous allez faire du mouvement. Avec l'infrarouge, ils vous détectent, ils savent que vous êtes là. Pas besoin de power de carte. Jetez tous vos cellulaires, jetez toutes vos cartes de crédit, ils vont savoir que vous êtes là quand même. Il ne faut pas être naïf, c'est comme ça, c'est fini. La terre, ils la possèdent. Et donc, vous allez, si vous voulez, si vous me dites... Oui, mais qui va prophétiser? Qui va témoigner? Oui, mais pourquoi vous allez vous cacher dans le bois? Vous allez prophétiser à des Suisses, des lapins? À qui allez-vous prophétiser en vous cachant? Il n'y aura pas de place pour se cacher. Oui, mais le Seigneur va nous protéger. N'as-tu pas de foi que je me fais dire? Mais oui, mais s'il y a quelqu'un qui peut bien vous parler des miracles, c'est bien moi. Tous ceux qui ont suivi le début de la série sur ma fille, le miracle qui s'est produit, c'est authentique. Et je vais vous conter une anecdote rapidement sur ma fille. C'est arrivé la semaine passée. Ma fille, pour des raisons vraiment dommages, s'est brûlée la main dans de la confiture qui était en état d'ébullition. La confiture en état d'ébullition, je vais vous le donner en Fahrenheit, parce que je ne sais pas exactement en Celsius, c'est environ 170 degrés Fahrenheit, 180 degrés. Elle a été exposée peut-être une trentaine de secondes à 40 secondes avec de la confiture qui brûlait sur sa main. Elle criait. Alors que quand je m'en suis aperçu, j'ai couru, je l'ai pris, j'ai mis sa main sous l'eau du robinet. L'eau est très froide. Au Canada, on a de la glace qui sort des robinets tellement l'eau est froide. Non, mais l'eau était vraiment froide. Écoutez, je pense peut-être 4 degrés, quelque chose comme ça, mais juste au-dessus du point de congélation. Là, c'est vraiment froid. Et à tel point que j'y tenais sa petite main avec ma main. Et ma main, à moi, me faisait très, très mal. Et je me suis rendu compte, en lui mettant sous l'eau froide, parce que c'est ce qu'il faut faire, qu'elle n'avait plus l'air de sentir rien, d'avoir de douleur, parce qu'elle regardait à gauche et à droite, et elle n'avait plus l'air de se soucier de sa main, alors que moi, ça me faisait mal. Et sa main était rendue couleur rouge, violacée, couleur rouge, brun, comme quand vous faites cuire un roast beef, saignant. À l'intérieur, c'est pas rouge vif, c'est rouge brun. C'est exactement ça, c'était épouvantable, et c'était toute la main jusqu'au poignet. Partout ce qu'elle avait eu de la confiture. Et j'étais tellement désespéré, et je peux vous dire, quand j'étais à chercher, elle hurlait. Ma fille a dit, elle a fait un dégât, c'est que mon petit garçon de 5 ans a pris de la confiture, il l'a amené à mon insu, dans mon dos, sur une table dans un salon, il n'est pas supposé faire ça, puis la petite est partie tout de suite dans son dos, puis elle a mis la main, et elle a renversé la confiture, évidemment, mais moi, ils m'ont dit, elle a fait un dégât, je me suis approché, mais quand je me suis approché, peut-être une trentaine de secondes, ça a pris. Je me suis rendu compte que c'était pas un dégât. Le dégât, c'était pas important. C'est qu'elle hurlait. Elle avait de la confiture. La boucane montait de sa main. C'était très, très chaud. Alors, tout ça pour vous dire que...
que finalement, c'était épouvantable. Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, oh non, un peu l'air d'avoir de sensations, ça a dû brûler plus. J'ai pensé dans ma tête et j'étais tellement désespéré. Et là, je me suis mis à prier le Seigneur. Le Seigneur a accompli un miracle. Elle a tellement souffert. Je m'ouvre les yeux, puis j'ai vu sa main partir du rouge-brun à venir que totalement une couleur normale en dedans de 5 secondes. Ça s'est fait devant moi. Et là, j'en revenais pas. J'ai appelé ma femme au travail. Ma femme a travaillé dans le domaine médical. Elle a dit, écoute, je vais amener un onguent spéciaux. Elle a dit, il faut vraiment que tu mettes la main rapidement, puis souvent sous l'eau, au moins 15 à 20 minutes, etc. Elle m'explique ça. Je dis, d'accord, je vais faire ça. Puis, sauf que là, je mettais sa main, puis la petite, ma petite fille, bon non, elle voulait jouer, elle gazouillait, elle était... Là, je dis, ça se peut pas, je veux dire, je l'ai vu, j'ai la foi. Mais ces choses-là, je les ai vues, que le Seigneur va nous protéger, je suis d'accord là-dessus. Mais il va vous protéger, la personne qui n'est non-croyante à qui vous allez prophétiser, je veux dire, vous allez voir témoigner, vous allez témoigner, je veux dire, le système... Avec Planet X qui va arriver dans la première moitié, je veux dire, vous n'allez pas faire ça pendant qu'il y a des vents de 300 km au-dessus de votre tête. Vous allez me dire, ah, je vais le faire après. Oui, mais après, il va rester pas beaucoup de gens. La première moitié des tribulations, quand je fais un calcul, il y a 80% de la population qui meurt. Alors, déjà, vous allez avoir 80% du monde que vous ne pourrez pas témoigner. Ils sont morts. Trop tard. Il est trop tard. Vous allez témoigner à 20% du reste de la population. Puis vous n'aurez pas grand jubile le témoigner parce que si vous ouvrez la bouche, là, puis vous acceptez pas la signe de la bête, oui, mais je vais me cacher. Oui, mais ils ne vous laisseront pas vous cacher. Ils vont vous ramasser, ce sera pas trop long. Je vous garantis, je vous mets au défi d'aller vous cacher dans le bois. Aussitôt que vous allez sortir pour aller faire un pipi, pour aller faire un caca dans le bois, ils vont vous voir. Vous allez vous faire prendre. Ils savent que vous êtes là. C'est comme des détecteurs de mouvement, les satellites. Ah, tiens, il y a de l'activité. Et oui, les satellites, la majorité des satellites qui sont actuellement en orbite vont être détruits par le passage de Planet X. Oui, sauf qu'ils ont déjà tout prévu dans les bases souterraines, des armadas de satellites qui vont lancer très rapidement. Et c'est pour ça que dans la Bible, on nous dit que c'est le grand dragon rouge qui donne le pouvoir à la bête. C'est grâce au passage de Planet X que l'Antéchrist est une opportunité. C'est le dragon rouge, donc Aka Nibiru, si vous voulez, qui va donner toute cette autorité-là à la bête qui est. La bête, c'est un système. Et qui dirige le système? Ça va être l'Antéchrist qui va être sur ce système-là. Et c'est lui qui va diriger à ce moment-là. Et donc, il n'y aura pas grande plage de manœuvre pour des gens. La Bible, d'ailleurs, nous parle surtout des Juifs qui vont réussir à se sauver. Ils vont aller dans les montagnes de Petra et là, ils vont réussir à subsister. Mais il va y avoir des anges qui vont les protéger. Si Dieu ne leur donnait pas d'anges, ils se feraient tous massacrer. Tous. Ils vont se cacher dans des collines. Ça ne serait pas assez encore. Ils vont être protégés à cet endroit-là de façon surnaturelle. Alors, vous allez faire quoi, vous, dans votre chalet, dans votre abri, dans le bois, quelque part? Premièrement, lorsque l'axe de la Terre va changer grandement, la Bible nous le dit dans l'Apocalypse, elle nous le dit dans Isaïe 24 ou 28, je ne me rappelle plus, mais à deux endroits, on nous dit que le ciel va se retirer comme un livre ouvert dans Apocalypse 6, je pense. Ça, c'est l'équivalent de voir le ciel qui se déroule, c'est parce que la Terre tourne. Mais lorsque ça va faire ça, lorsqu'elle va se restabiliser, comment vous allez planter vos légumes? Je vous pose une question. Savez-vous comment refaire un calendrier pour savoir c'est quoi la meilleure saison? Est-ce que vous allez vous retrouver dans l'axe en Antarctique ou dans le pôle sud? Je ne sais pas. Pas dans le pôle sud, mais en Floride, l'équivalent du climat. Vous ne le savez pas. Savez-vous comment refaire un calendrier? Moi, je le sais. À quoi ça me servirait? Il y a tellement... C'est des radiations qui vont vous tuer. C'est quoi qui va vous tuer? Vous ne pouvez pas prévoir. Vous pouvez tenter le coup. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de penser à tout ça. Moi, j'ai bien mieux à louer le Seigneur et à m'amuser que de penser à ces choses-là. Je vous garantis. Et ma préoccupation majeure, ça a été les attaques que j'ai subies au jour le jour. Parce qu'à toutes les fois que je veux faire des vidéos, comme là, je le fais, je vous dis que je me fais rentrer dedans, c'est pas long. Ça, c'est difficile. Mais j'ai le cœur à la joie toujours. Je sais que beaucoup de frères et sœurs souffrent actuellement. Je prie pour vous. Bref, je ne suis pas en train de critiquer ceux qui ont des plans. Je veux dire, il faut que vous suivez votre cœur. Moi, j'ai aucun problème avec ce que vous faites.
Puis des fois, on m'approche pour me dire, hey, tu viendrais-tu nous aider à faire ci, à faire ça, à faire un système d'énergie libre? Eh oui, je sais comment faire ça, mais non, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, parce que si je m'embarque là-dedans, je vais poser des questions, je vais être pris, je vais faire, je monte des systèmes, je vais ne faire que ça. Alors que la Bible ne me dit pas de monter des systèmes à énergie libre. La Bible me dit de témoigner, d'annoncer ce qui vient là, dans notre face, dans notre visage actuellement. C'est là, c'est en pleine face. Alors, c'est ce que je fais. Pas parce que je veux pas aider les autres, mais. Puis aussi, j'ai étudié c'est quoi que ça. Tous les éléments que ça prend pour pouvoir espérer s'en sortir. Puis je peux vous dire une chose, je suis arrivé à la conclusion que c'est impossible. J'ai retourné ça dans ma tête scientifiquement, tout ce que ça prendrait pour pouvoir se préserver, l'équipement que ça prend. Ce qu'il faut prévoir, c'est-tu des radiations, etc. Tout ce que je vous ai nommé tout à l'heure, je ne vous ai pas tout nommé. Puis, c'est impossible. Donc, quelqu'un qui s'embarque là-dedans, c'est parce qu'elle y va, puis elle se dit, bon, je vais survivre, puis elle y va environ, puis elle prend les moyens qu'elle a, puis elle essaie de se débrouiller. Mais elle est peut-être à 2% de ce que ça lui prend pour survivre. Donc, je veux dire, de toute manière, si vous voulez traverser l'océan en bateau, puis que vous mettez seulement la moitié du fuel nécessaire pour traverser l'océan en question, ben vous êtes peut-être mieux de réfléchir à deux fois parce que vous allez mourir dans le milieu de l'océan. Ah non, je vais y aller, il va arriver de quoi? Dieu va me protéger. Oui, possible, mais il est écrit aussi dans la Bible de ne pas mettre son Dieu à l'épreuve, comme le Seigneur quand il met l'épreuve par Satan. Je veux dire, faux. Puis ça, je dis pas que ces gens-là font ça, c'est pas ça que je dis. C'est absolument pas ça. Faut pas prendre mes paroles. Peut-être que je m'exprime mal, mais je veux vraiment mettre le point, l'accent sur le fait que c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est une chose de très difficile de survivre à ce qui s'en vient. Je vous le dis là. Fait que moi, je suis peut-être lâche, mais aussi peut-être que je suis un gars réaliste de me dire ouais. Puis la Bible me dit ça, puis là je comprends pourquoi que la Bible me dit ça. Puis il n'y a personne qui va y échapper. La Bible ne dit, pensez-vous vous allez échapper à la colère de Dieu? Ouais, mais la colère n'est pas pour moi, donc lui. Je veux dire, tout le monde va mourir alentour de moi et moi je vais survivre. Oui, mais à qui tu vas témoigner? Il ne restera plus personne. J'ai fait le calcul, 80% environ de la population est décédée dans la première moitié des tribulations. Alors, puis comment, je vous le dis, là, il n'y aura pas grand repos, ça ne sera pas de tout repos. Le temps pour le témoignage, vous ne pouvez pas aller à l'assemblée du coin et dire, ah, je vais rentrer à l'église, m'aller témoigner, m'aller quelque part, m'en parler. Non, 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 ça ne marchera pas comme ça, ce ne sera pas facile de même. Le Satan ne vous laissera pas faire. OK? Mais oui, Dieu va vous protéger, oui, mais il ne protège pas ceux qui ne sont pas avec la parole de Dieu. S'il vous laisse la chance de parler, ce n'est pas sûr qu'il va protéger l'autre qui est supposé de vous entendre en parler. En tout cas, écoutez, de toute façon, je pense que j'ai assez parlé là-dessus. Faites-en ce que vous voulez. Mais parce que on m'a beaucoup parlé là-dessus. Moi, je parle maintenant. J'ai le droit de parler, je vous le dis. J'ai étudié ça de très profondément, cette doctrine-là de l'enlèvement. Puis il n'y a personne qui va me faire changer d'idée. Puis tout ce que j'ai vu actuellement contre-argument, c'est plein d'erreurs, sans exception. Puis je veux dire, bon, pourquoi m'obstiner avec des gens qui sont des frères et des sœurs de leur dire, ben, il y a des erreurs. Là, ils vont avoir des conflits, le ton va monter. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Je veux dire, moi, j'ai fait mes recherches. Pierre Gilbert a produit une cassette en français qui est l'enlèvement de l'Église. Là-dedans, il y a vraiment, mais vraiment, assez de matière bien fait, bien montée. Les gens qui l'ont écouté n'ont pas compris, je veux dire, ils ont manqué des bouts, ils ont vraiment manqué des bouts. Réécoutez-la, puis prenez des notes, pas juste écouter quelque chose sur une boîte, il faut l'étudier. La doctrine de l'enlèvement, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Pas des envois d'emails avec des bouts de versets, dire « Ah, gars, où c'est écrit? » Non, non. Faut que tu prennes le problème dans son ensemble, puis tu tiennes compte du contexte biblique. C'est extrêmement important. Vous avez des prophéties à double. Des prophéties télescopiques qu'on appelle, qui se réalisent dans un passé, qui vont se réaliser dans un futur, ou à double signification. Exemple, le dragon, c'est Satan, mais c'est aussi Nibiru physiquement. Vous avez toutes sortes de choses comme ça, mais au niveau de l'enlèvement, il faut vraiment être pointilleux à ce niveau-là. Donc, pour Dieu, ce qui lui intéresse, ce qui l'intéresse Dieu le plus possible pour nous, c'est ne pas
Dans le fond, il ne veut pas qu'on ait à la colère, mais il veut qu'on acquiert le salut. Puis le salut, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est assez clair. C'est pas par Pierre-Jean-Jacques. Pierre-Jean-Jacques, je ne parle pas des apôtres, mais on parle de Monsieur, Madame, tout le monde. C'est Jésus lui-même, Fils de Dieu, qui est mort pour nous afin que nous veillions. Pardon. Qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc, c'est vraiment en Jésus que tout se fait. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Écoute, j'ai reçu un email ce matin très touchant de Mathieu. Mathieu, écoute, je te salue. Mathieu pensait m'amener que de m'avoir blessé dans un email précédent. Non, non, Mathieu, c'est que je suis pas mal occupé, puis je suis très préoccupé par ce qui se passe, puis je suis comme paralysé. Pour deux choses, j'ai vu que les vidéos que j'ai faites, on semble pas avoir d'impact autant que je pensais. C'est par contre, ça c'est l'ego qui travaille. Puis l'ego, c'est quelque chose que je veux pas. Il faut pas embarquer là-dedans. Puis aussi, une des vraies raisons, une des plus grosses, c'est le fait que je vois tellement d'informations sortir que tu commences à préparer quelque chose, puis déjà tu es déjà comme en retard. Ça devient lourd, ça devient très lourd, ça devient de plus en plus lourd. Pour quelqu'un comme moi, de vous parler des choses qui viennent. C'est très, très difficile. Mais j'ai décidé de le faire. C'est pour ça que je vous dis, j'ai de la misère à me faire un plan de match. Mais ce que je vais vous dévoiler, et quand je vais commencer à vous dévoiler vraiment la nourriture solide dans cette vidéo-là que je fais actuellement, les choses prophétiques qui se déroulent devant nous, vous allez tomber en bas de votre chaise, vous allez figer là. Parce que, préparez-vous, il n'y a plus aucun doute sur la saison dans laquelle on vit actuellement. Alors, je continue. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix avec vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Alors ça, oui, il faut se dépêcher de le faire. Et non pas attendre, parce que dans les tribulations, on va avoir plein de temps de le faire. Non, non, c'est là, il faut le faire maintenant. Consolez ceux qui sont abattus. Écoutez, j'ai plein de frères. Je pense à Yves, qui vit des moments difficiles. André, qui a perdu son frère récemment. Pierre, qui m'a appelé, puis j'ai pas retourné l'appel. Pierre, il va se reconnaître. Je t'envoie un clin d'œil. Écoute, je m'excuse et j'ai carrément oublié de t'appeler, mais dis-toi que je t'aime et je vous aime, mes frères, mes sœurs. Même si vous pensez pas comme moi, c'est pas grave. Ceux qui m'ont critiqué, c'est pas grave. J'ai pas nécessairement toutes les réponses à tout. Je veux pas avoir les réponses à tout. La parole de Dieu, les réponses à tout. Mais c'est ça l'eschatologie. L'eschatologie, c'est de regarder les signes. Au moins ça nous garde vivants, ça nous garde réveillés. On s'endort pas. Ça nous dit d'être sobre, de ne pas dormir. C'est pour ça qu'il faut regarder les prophéties. La Bible nous dit que l'esprit des prophètes est l'esprit de Jésus lui-même. Mais pensez-vous que les prophètes étaient populaires de dire la fin arrive? Hey, ça, c'était des milliers d'années avant moi. Mais les gens, ils voulaient les tuer, ils les haïssaient. Ces gens-là, leur vie a été un supplice. Mais regardez, par contre, aujourd'hui, le Seigneur, à travers lui, sa gloire, leur nom ressort à ces prophètes-là, dans la parole. Quelle bénédiction! Ces hommes-là sont immortalisés dans la parole de Dieu. Leur nom est mentionné. Waouh! Parce que c'est ça la vraie vie. Consolez ceux qui sont abattus. Alors, je vous le dis, là, la vidéo que je prépare actuellement va beaucoup, beaucoup vous rassurer que le Seigneur y est là. Puis vous n'êtes pas des lâches parce que vous êtes abattus. C'est pas facile de vivre dans les temps qui sont actuellement. Je veux dire, ceux qui travaillent sont obligés de le faire. Des fois, ils voient de la corruption alentour d'eux. En tant que chrétien, tu ne peux pas supporter ça. C'est un monde qui est devenu insupportable pour le chrétien. Alors donc,
Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. C'est pour ça que, bon, il y a des gens aussi qui ont, je vois, qui n'ont pas la foi, ils n'ont pas accepté la parole de Dieu, qui me disent « Ah, tu veux faire peur aux gens? » Non, je ne veux pas faire peur aux gens. Il faut que tu acceptes la parole. Puis regarde, écoute, enlève tous les sentiments, là, les émotions de ta tête, puis regarde froidement les choses que je montre, puis va vérifier un peu par toi-même. Et enlève tous ces sentiments-là de « Ah, un autre qui parle de ci, puis de ça. » C'est toujours noir tes affaires. Non, c'est la réalité. C'est un monde qui est noir. Je fais juste le montrer, ce monde-là, comme certains d'autres le font. J'aimerais tellement ça, faire le party puis parler d'autres choses. J'étais un bon vivant. Je vous jure que j'étais un bon vivant. J'étais un gars, moi, les enfants, j'aime ça. Et moi, je peux être entouré d'enfants. J'adore les bébés. Et moi, je prends ça, change les couches. Je suis une personne comme ça. Je pourrais avoir tout le temps des vingtaines de personnes chez moi. Mais maintenant, je veux faire le party, mais toujours avec le Seigneur, tout le temps, en bénissant le Seigneur. Pour moi, c'est ma famille au repas. Tout le monde est heureux, tout le monde. Quand on prie, ils ferment les yeux. Écoutez, c'est une bénédiction incroyable. Priez sans cesse, justement, je suis rendu là. Soyez toujours heureux, joyeux. Priez sans cesse. Mais comment tu peux être joyeux quand tu sais que tu t'en vas dans les tribulations, que tu vas passer là? Le Seigneur, il veut qu'on rentre là-dedans. Oui, mais le Seigneur va me protéger. Oui, tu vas te protéger. Quand tu vas voir les autres crever à côté de toi, tu vas être heureux. Tu vas être joyeux. Non, je ne peux pas croire. Mais je suis tellement heureux parce que même si c'est difficile pour moi, puis je vous le dis, là, je vous parle, ça paraît peut-être pas si très difficile. C'est tellement mêlé dans ma tête, tellement qu'il y a de l'information que je vais vous montrer. Je ne sais plus par où commencer. Puis, je suis joyeux. Je suis heureux, je suis vraiment béni par-dessus la tête, malgré les attaques que j'ai vécues. Quand je regarde ma fille, ma petite fille qui pète le feu, la main s'est changée de couleur devant ma face. Est-ce que j'ai le ton d'un gars qui veut juste vous conter des histoires d'un miracle juste pour vous faire croire? Voyez bien, je vous conte ça avec, je sais pas moi, avec... comme si c'était une anecdote que je vous conte juste en passant. Mais je suis au courant que le Seigneur peut faire des choses. Je l'ai vécu. S'il y a quelqu'un qui peut vous en parler, c'est moi. Je vous le dis, là, c'est... Vous croyez, vous priez avec force? Ben, tout ce que vous demandez peut arriver, sans aucun problème. Faites-le pour le Seigneur, pour sa gloire. Si vous demandez, ah, moi, je veux 1 million de dollars, j'ai le goût d'aller dans le sud, puis m'amuser... Oubliez ça, vous allez prier longtemps, mais une telle prière ne peut pas être faite avec le Seigneur par définition, ça ne se peut pas. Donc, vous ne pouvez pas prier le vrai Seigneur en faisant une prière de même. Mais si vous demandez 1 million, parce que vous avez un ministère, puis ce ministère-là est important pour aller toucher des gens, puis c'est sincère, puis c'est réel, croyez-moi, le million va vous rentrer dans les mains d'une façon que vous n'aurez jamais imaginée. Puis c'est un exemple que je vous donne, mais croyez-le, c'est vrai. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Demandez-la tous les jours. Demandez du discernement. Je parle de mes frères qui souffrent. Lion, mon beau petit lion, mon frère, je m'ennuie de toi. Toi qui dis qu'il y a une petite tête, mais je l'aime ta petite tête. Puis ma tête est encore plus petite que la tienne. Parce que tout ton ressentir est réel. Tu n'as pas eu... Ces choses-là, sur les dates, il se passe des choses. Désespère pas, écris-moi. Je veux que tu refasses des vidéos. On s'ennuie de toi. Je suis certain que si je parle à ma petite sœur Sentinelle, là, elle s'ennuie de toi aussi. On veut entendre parler de toi. On s'ennuie. Je m'ennuie de toi. J'ai besoin de toi. Quand je vois tes vidéos, ça me redonne de la force. Quand vous m'écrivez des mots, ça me redonne de la force. Puis moi, j'espère que je vous donne de la force par mes paroles. Puis je ne critique pas mes frères et mes sœurs qui croient que l'enlèvement est plus tard. Je prie pour vous, puis je vous aime. Vous faites des super belles choses. Il y en a là-dedans, c'est des vraies guerrières, des guerriers dans le Seigneur. Si on les voyait, si vous les voyez prier, ces personnes-là, c'est incroyable. Il y en a même qui m'ont soutenu lorsqu'on a voulu me faire, quand l'ennemi a voulu me museler
une bonne fois pour toutes, en 2008, quand je suis né de nouveau, quand j'ai commencé à dire à ma famille que dans 5 ans, vous ne reconnaîtrez plus le monde dans lequel vous vivez. On était au mois de septembre, octobre, novembre 2008. Ça nous donne cette année au mois de septembre, octobre, novembre 2013. C'est 5 années. J'ai parlé de l'enlèvement. Si je venais de nouveau, puis tout de suite, j'ai parlé de ces choses-là, que mon corps s'est transformé. Imaginez-vous l'effroi des gens. Je le comprends. On passe pour des fous dans ce monde-là. Ils n'ont pas accepté qu'il y ait un monde spirituel plus vivant que le monde matériel dans lequel on vit. Malheur à celui qui vit de la chair. La chair, c'est pas juste faire du sexe avec une femme. On parle du physique. Ah, je veux de l'argent. Je veux une bâtisse pour me protéger. Je vais me construire un abri pour me protéger. Non, c'est Jésus. Lui, il va te dire quoi faire. Prie le Seigneur, il va te dire quoi faire. OK? Moi, je prie le Seigneur à tous les jours. Je le remercie à tous les jours. Puis quand je le fais pas une journée, je me sens tellement mal. Je m'accroche comme lui, comme une bouée, carrément. Faut faire ça. OK? Parce que si vous, vous l'abandonnez, si moi, je peux l'abandonner, le Seigneur, lui, il ne vous abandonne pas. Fait quand vous pensez qu'il vous a abandonné, ayez la certitude que lui ne vous abandonne pas. Vous dites, tu me pardonnes, moi, je t'ai négligé, Seigneur. Puis inquiétez pas, il va venir vous rechercher. Tu dis, viens me rechercher. Je suis comme un mort qui flotte, puis je suis pas capable de tendre la main pour ta bouée que tu me donnes. Mais croyez-moi. Le Seigneur va venir vous ramasser comme une tornade. Bang! Vous allez revenir. Il ne vous lâchera pas. OK? Ne méprisez pas les prophéties. Beaucoup de chrétiens, tu leur parles. Ah non, 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 pas moi! Ah non, il y a assez de la faim. Non, il y a assez qui ont parlé de ça. Oui, mais les gens qui ont parlé de ça, ce n'est pas nécessairement de leur faute. Mais l'eschatologie, c'est ça. Ce n'est pas une science qui est parfaite. Mais beaucoup de préalables, de prophéties qui doivent être accomplies avant qu'on parle, qu'on est vraiment dans la saison de la fin, dont notamment Zacharie 12. Toutes les nations du monde s'assembleront contre elle, accomplies au mois de novembre 2012, le 29 novembre. Ils diront paix et sécurité, c'est accompli. Il faut que l'impie se manifeste. Barack Obama, selon moi, l'a fait, puis je vais vous prouver à quel point que ça continue de se concrétiser, ce que je vous dis. OK? Mais oui! Puis, à plus de ça, ça nous dit, il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie, elle vient d'être proclamée par le pape, juste avant sa annonce de démission. Puis en passant, il l'a donné le 11 février, la démission. Le 11, en passant, vous connaissez ça, le 11, hein? 11, ouh, le 11. Je vais vous parler des 11, la numérologie du 11. Il y a une comète qui vient en même temps. Et la comète va être à sa périhélie. La périhélie, pour vous rappeler, c'est la position la plus proche du Soleil d'un objet qui a une orbite elliptique, OK, à l'entour du Soleil. Et la périhélie, c'est sa position la plus proche. Et cette comète-là va être en périhélie exactement au moment où ils vont choisir le pape, de nouveau, le dernier pape, le Petrus Romanus, Pierre le Romain. Je pense que c'est entre le 10 et le 15 mars. Et elle pointe cette comète-là, exactement dans imaginez-vous, dans le ciel de la baleine. Exactement à cette date-là, à une position de 1,111 unités astronomiques selon le site de la NASA. 11, 11, 1, 1, 1, 1. Et le 11 février, on nous annonce que oui, il donne sa démission. Et on nous apprend que finalement, il avait déjà donné sa démission au mois d'avril l'année passée. Sauf qu'ils ont caché ça, les petits cachotiers du Vatican. Encore une autre chose qu'on n'a pas l'heure juste avec eux. Mais la Bible nous dit que tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est caché actuellement dans la corruption est mis en lumière dans le monde, en pleine lumière. Ça, c'est une prophétie des derniers jours. Accomplie, elle s'accomplit, là. Alors, tous les préalables avant l'enlèvement sont levés au moment où on se parle, sans l'ombre d'un doute. Et l'apostasie, oui, les gens m'ont dit il y a 2, 3 ans, on vit dans l'apostasie. Mais là, on parle de l'apostasie proclamée par le pape, puis je vais vous le montrer bientôt. Il y a une différence entre l'apostasie proclamée, l'apostasie à proprement dit, et l'apostasie proclamée, officielle, dite par l'autorité, entre guillemets, officielle de la chrétienté, alors que le Vatican n'a rien à voir avec la chrétienté, je peux vous l'assurer.
Le Vatican, la religion catholique, ça n'a rien à voir avec la Bible. Absolument pas. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Puis, donc, eux autres sont. C'est le faux prophète, le pape, qui va régner, qui amène une multitude dans l'égarement. Bien, vous l'avez. Je veux dire, c'est. Puis, le pape a déclaré qu'il n'y aura pas de deuxième venue de Jésus sur la terre. Il a déclaré ça il n'y a pas longtemps. Que la pédophilie, c'est normal. Et je vais vous montrer pourquoi qu'il dit ça, c'est sûr. Il se justifie dans le mensonge et il a été pris la main dans le sac, le pape Benoît XVI. Mais en passant, j'ai des photos de lui dans un château qu'on appelle le château de la noirceur, le Castle of Darkness. Ça, c'est un château qui se situe en Suisse. Et vous avez des barons, là, des hommes riches, des femmes riches. Et leur passe-temps, c'est de faire des rituels sataniques et des sacrifices d'enfants purs. Il tue des enfants sur les autels. Et le pape se tient avec ces gens-là. J'ai des photos avec ces gens-là. Il y en a qui sont soupçonnés d'enlèvement d'enfants. Mais évidemment, ils ont la police. Ils peuvent acheter les juges. Il y a absolument rien. Ils font ce qu'ils veulent. Et les gens qui ont perdu ces enfants-là, eh bien, vivent dans un deuil. Ils n'ont peut-être, ils vivent peut-être encore pire que ça dans une noirceur où ils ne connaissent pas la parole de Dieu. OK? Puis ils ne savent pas pourquoi leur enfant a été tué, mais que leur enfant est avec le Seigneur parce qu'il était assez jeune pour ça. OK? Mais ça prend des gens comme nous, pas après les tribulations, là, maintenant, d'aller courir, d'aller témoigner à ces gens-là dans votre quartier. Une seule personne sera touchée par ce que vous aurez fait. C'est dans l'éternité, c'est une richesse immense. Si je vous dis, je vous donne un sou comme salaire, vous allez me dire, c'est pas gros. Mais si je vous dis, je vous verse un sou dans l'éternité à tous les jours, vous venez de gagner l'éternité. Ben c'est ça. Ne négligez pas le petit effort que vous pouvez faire, la moindre parole, parce que vous ne savez pas ce que ça peut faire dans le futur. Puis ça, je me le dis à moi-même. Parce que des fois, c'est pas facile. J'ai l'impression que ce que je fais des vidéos, puis j'ai l'impression, je regarde des fois, je dis, ben, ils n'ont rien compris, ils ont pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont écouté, puis ça me décourage, mais il faut que je laisse ça à Dieu. C'est le Seigneur qui. Moi, je témoigne, puis le Seigneur dispose. Puis il y a un frère très précieux à moi qui me l'a rappelé, je l'ai appelé, j'étais un peu. Il me dit non. Il dit, c'est comme ça. Je dis, oui, je le sais, puis je voulais te l'entendre. On se réconforte entre frères et sœurs. Je suis pas plus fort que vous, je suis juste un être humain comme vous, mais je suis un frère parmi vous. Puis des fois c'est moi qui se fais réconforter par vous, des fois c'est moi qui peux peut-être vous réconforter. Bref, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Si on nous dit retenez ce qui est bon, c'est parce qu'en cours de route, il va y avoir certaines erreurs. Mais il nous le dit les examiner, il sait qu'on ne va pas comprendre d'un coup. Mais la prophétie des derniers jours de Daniel, qui est une des plus intéressantes, c'est à l'effet que va Daniel et scelle les prophéties de ce livre, car dans les derniers jours, la connaissance augmentera et tout sera révélé. Eh oui, mais on a vraiment des choses qu'on ne comprenait pas, comme à l'effet que l'Antéchrist devait signer un accord de paix. L'Antéchrist, Obama, ne signera pas d'accord de paix. Mais je vais vous montrer qu'il va avoir un deal qui va être fait dans les prochaines semaines, mois maximum. Je pense qu'il va être fait avant l'été. Ou en tout cas, ils vont être en processus de le faire. Là, je vous le dis, là, on est vraiment au bout du rouleau, on est à la fin. Et les choses se font devant nous. Et c'est encore Barack Obama qui est derrière tout ça. Je vais vous le montrer. Abstinez-vous de toute forme, toute espèce de mal. OK? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé impréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il faut vraiment vous prier puis avoir du bonheur dans le cœur. Et vous voyez ce qu'il dit là, au moment de l'avènement, il va arriver en un éclair ici, comme un clin d'œil. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors voilà. Mais si on regarde un peu
qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on voit ces paroles-là? Pour ce qui est des temps ou des moments, en parlant de la fin, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, etc. Allons un petit peu, revenons un peu dans le passé et allons voir dans Thessaloniciens 4 qu'est-ce qui se cache. OK? Thessaloniciens 4, verset 1 et suivant. Pardon, 13 et suivant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est quoi l'espérance de rentrer dans les tribulations? C'est la volonté de Dieu. Je veux dire, oui, j'ai fait des choses que. Puis je ne suis pas le seul, il y en a que c'était pire. Je vais prendre Pierre Gilbert. Pierre Gilbert, pendant 25-30 ans, a exposé sa vie, puis il n'est pas seul. Tom Horne le dit qu'il a mis sa vie en jeu quand ils ont fait le livre Petrus Romanus, The Final Pope is Here. Il l'a dit dans les shows de radio, il l'écrit dans son livre. Ils ont passé même proche d'arrêter. Lui puis Chris Putnam, celui qui a, les deux auteurs du livre Pierre le Romain, Le dernier pape est ici, que j'ai lu. Mais il y a des gens, des chrétiens qui ont exposé, il y en a même qui sont morts pour ça. C'est sérieux. Mais c'est quoi l'espérance de rentrer dans les tribulations? Même si on sait, on risque notre vie. Il ne faut pas s'affliger. La Bible nous dit, vous avez une espérance. Si vous devez mourir au travail, puis ça a été pour le Seigneur, inquiète-toi pas, ton salut y est fait. Mais il ne faut pas s'affliger parce qu'on va, on rentre pas dans les tribulations. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Bon, ça c'est correct. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas les morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, qui n'a rien à voir avec la septième trompette de la tribu des tribulations. Puis j'y tiens. Vous pouvez m'écrire ce que vous voulez là-dessus. Écrivez-moi-le 50 fois, là, puis regardez, là, c'est parfait. Vous voulez croire ça? Aucun problème. Mais c'est faux, OK? Ça n'a rien à voir. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais c'est quoi? Comment je peux me consoler avec vous si je vous dis, on a 7 années, on va peut-être mourir, je te reverrai peut-être plus, là, parce que là, c'est pas Nibiru, je sais pas qu'est-ce qui peut nous tuer. Là, je vais me faire dire, oui, mais le Seigneur, t'as des rocs qui vont tomber dessus, puis là, il va y avoir un dôme de protection, et tu mourras pas. Tu vas avoir un océan qui va, une vague qui va te ramasser à 1000 milles à l'heure, puis il n'y a pas de problème, tu vas survivre. Ben, c'est possible. Je suis le premier à vous le dire, que j'ai vu ces choses-là, que c'est possible. Mais, je veux dire, écoutez, là, si je vois des gens mourir à côté de moi, je vais m'amuser, puis si vous trouvez ça beau, c'est bon, je vais me réjouir de voir des gens qui ne sont pas protégés, qu'eux n'auront pas accepté le Seigneur, qui vont être nettoyés comme des poupées à côté, même si moi je suis protégé, c'est fun de vivre ça. Ça va être plaisant. Puis je vous le dis, quand je vous dis des vents de 400, 500, 600, 800 km/h à la surface de la Terre, il va en avoir. C'est des choses, des énergies que vous n'avez même pas imaginées. Vous ne pouvez même pas les imaginer. Puis si vous êtes dehors, quand vous le voyez arriver, vous n'avez pas le temps de l'imaginer parce que vous êtes déjà mort. C'est effrayant, les endroits, les choses qui vont se produire. Vous avez vu une petite météorite, là? Qu'est-ce que ça a fait là, en Russie, là? Ben, je vais vous en reparler des énergies. Vous allez avoir peut-être une meilleure idée mentale de qu'est-ce que ça représente. Une étoile comme une naine brune qui va venir passer avec ses planètes dans le système solaire. Attendez! On dit en québécois, attachez votre tuque avec de la broche. Vous êtes mieux de bien être assis quand ça va se passer.